Salut à tous, je reprends la même animation que nous avons vue en classe. Alors, je vous montre ici, c'est mieux parce que vous utilisez une version antérieure. Alors, nous avons utilisé la barre d'outils, le panneau de commande. Maintenant, on va utiliser la partie timeline. Voilà. Revenons à notre fichier Max. Ici, c'est notre timeline de 0 à 100 secondes. Ça, ce sont les clés. Regardez, quand je clique, j'enregistre une clé. Je vais essayer de faire un changement là. Et j'enregistre le changement. Regardez, ça ne fait rien. Maintenant, j'enregistre. Oui, j'enregistre. Et je fais un changement. Ça ne marche pas. Pourquoi? Je dois activer AutoKey. Voilà. Je remets à 0 sur l'axe des Z. Et voilà, ça marche maintenant. Alors, n'oubliez pas, activez votre AutoKey.